Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire accompagner les personnes en arrêt maladie organisé par Renfort en direction des acteurs du réseau régional des conseillers en évolution professionnelle, CEP, du service public régional de l'orientation, SPRO, et des acteurs de l'accueil information orientation, les acteurs de l'AIO. Donc l'objectif de ce webinaire est de vous faire connaître, si vous ne connaissez pas déjà, les droits et dispositifs existants pour éviter et prévenir la désinsertion professionnelle des personnes en arrêt maladie. Nos intervenantes de ce jour, et nous les remercions d'avoir répondu positivement à notre sollicitation, sont Madame Muriel Esposito, chargée de mission prévention de la désinsertion professionnelle à la CARSA de Bourgogne-Franche-Comté, Madame Cécile Sansen-Raffin. Bonjour. Madame Cécile Sansen-Raffin, assistante de service social, coordinatrice technique à la CARSA de Bourgogne-Franche-Comté, et le docteur Jamila Bossangamel, médecin du travail à l'AIST 21. Donc, bonjour. Tout d'abord, quelques petites indications pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Sur la droite de votre écran, vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long de l'intervention par le biais du chat. Vous avez également la possibilité de télécharger la présentation grâce à une petite icône nuage avec flèche qui se trouve à la droite de celle-ci. Donc, je vais laisser maintenant la parole à nos intervenantes et je vous souhaite un très bon webinaire. Madame Esposito ? Oui. Voilà. Je vous lance le PowerPoint. Alors, moi, je ne peux pas le lancer. On va attendre que Caroline revienne. C'est elle qui peut le lancer. Voilà. Je pense que c'est parti. Dans ce PowerPoint que vous pourrez télécharger à la suite, on va commencer par vous parler de pourquoi un focus sur les personnes en arrêt maladie, aussi en accident du travail, en maladie professionnelle. Alors, ce focus, il est lié, Caroline, on est déjà à la slide 2, il est lié à un contexte. Ce contexte, c'est qu'en 2020, on a constaté, c'est le rapport Malakoff-Humanis qui le dit, 33% de plus d'arrêts longs. C'est des arrêts qui durent en moyenne 94 jours. Donc, il y a un contexte avec plus d'arrêts et vous, en tant que professionnel de la formation, de l'orientation en relation avec le public, vous allez être amené à rencontrer peut-être plus de personnes en arrêt maladie. 60% des entreprises ont aussi connu au moins un arrêt long au cours des 12 derniers mois. Et si je peux me permettre, sur le podium en fait des maladies qui causent des arrêts longs, nous avons. Donc j'attends que les pompiers soient passés. Je ne sais pas où ils passent, mais voilà. Nous avons la maladie, les TMS, donc troubles musculo-squelettiques, et puis les troubles psychos comme le burn-out. Donc, parmi les personnes que vous pouvez rencontrer, c'est important d'avoir ce contexte à l'esprit. Toutes les informations, donc on peut passer, Caroline, à la slide 3, toutes les informations qui vont vous être exposées maintenant peuvent être retrouvées sur le site dont l'adresse s'affiche Maintien en emploi, vous informer, vous accompagner. C'est un site qui est tout nouveau. Il a été mis en ligne en février de cette année, donc 2021. C'est un site Bourgogne-Franche-Comté pour aider nos publics pendant la crise sanitaire à obtenir de l'information, que ça soit du côté assuré que du côté entreprise, à se repérer dans cet écosystème du maintien en emploi. C'est un site que nous avons conventionné avec le CIBC et donc avec une. Vous retrouvez aussi toutes les informations, les webinaires du réseau des CEP et du CIBC. Sur ce site, nous pouvons passer à la slide suivante. Une entrée par public.
Donc, que vous soyez entreprise, dirigeant, DRH, membre de CSE, un salarié, un travailleur indépendant, un partenaire, ils vont pouvoir trouver une info adaptée à leur catégorie. Ils vont identifier leurs besoins d'information selon leur situation ou avec des mots-clés dans le moteur de recherche et ils vont pouvoir trouver des informations d'experts, des liens vers des sites de référence qui ont tous été validés, donc on a fait valider par le CEP tout ce qui concerne le CEP, les supports de communication, les actualités, les webinaires et ainsi que tous les contacts, téléphone, mail, des partenaires par département de Bourgogne-Franche-Comté. En maintien en emploi, on a articulé toutes nos informations selon un outil que je vais vous présenter dans la slide suivante qui s'appelle la pyramide des fragilités. Cet outil, il a été créé en 2019 avec le médecin inspecteur régional du travail et il nous permet de graduer les réponses pour le maintien en emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle. Et avant de zoomer dans la partie qui va nous intéresser, qui est vraiment le maintien, ce qu'on peut faire pour les personnes en arrêt, je vais vous expliquer comment on travaille la prévention de la désinsertion professionnelle. La pyramide, elle part de la base. La base, c'est ce qui concerne le plus de monde. Et on est sur la prévention primaire ciblée. La personne, vous voyez, c'est vert. On n'est pas encore en arrêt de travail et on développe une approche collective de prévention. Donc, les partenaires, pour ça, c'est la direction des risques professionnels, c'est les services de santé au travail, c'est l'ARACT, l'Agence régionale d'accompagnement des conditions de travail en Bourgogne-Franche-Comté. Excusez-moi pour les bruits parasites qui sont indépendants. J'espère que vous m'entendez bien. Ensuite, on passe au T1. Les T1, ce sont les signaux faibles. Donc, toujours en vert, toujours pas en arrêt, avec un travailleur que le médecin du travail va pouvoir repérer parce qu'il va être fragilisé par un problème de santé. Il va présenter des signaux d'alerte et il va y avoir une intervention peut-être individuelle, une prévention secondaire. On est dans des secteurs à risque où les personnes ne vont pas pouvoir continuer à exercer ce métier pendant toute leur carrière. À un moment donné, vous rencontrez ces personnes, il y aura peut-être besoin d'une réorientation, d'un bilan pour savoir où est-ce qu'on en est et si on peut s'orienter vers un autre métier qui préservera plus une santé qui sera déjà fragilisée. Et puis, on passe en T2, T3, T4, qui sont les moments où les personnes, elles vont commencer à être dans des arrêts plus longs, dans des difficultés de se maintenir dans leur poste. T2, on va pouvoir maintenir la personne dans son emploi d'origine à travers des mesures que nous allons vous présenter avec le docteur Bossangamat et puis Cécile Sansaigne-Raffin. La personne, elle va pouvoir retrouver son emploi, son poste, moyennant des aménagements du temps de travail, des aménagements aussi de son poste, mais elle va pouvoir retrouver son emploi à l'issue de son arrêt. Le T3, on parle de maintien en emploi, ça veut dire que la personne, elle va pouvoir retourner dans son entreprise, mais à un autre poste, quand cela est possible, plus en adéquation avec ses capacités, avec la charge qu'elle va pouvoir supporter. Et puis, quand c'est pas possible, on est dans du maintien dans une autre entreprise, on est dans une reconversion professionnelle. Et puis, T4, là, on parle de désinsertion professionnelle avec des arrêts très longs, de l'invalidité, une prise en charge médico-sociale. Donc, ce qui va vous être exposé maintenant concerne les salariés en T2, T3 principalement, qui vont être pris en charge par le service social de l'assurance maladie, s'ils ont ces besoins, et par le service de santé au travail, ainsi que tous leurs partenaires. Il y a, Caroline, on peut passer à la slide suivante.
il y a trois mots à retenir par rapport à cet accompagnement, c'est repérer. Et pour ça, vous êtes vraiment très bien positionné pour repérer les personnes qui vont avoir besoin d'une visite de pré-reprise, d'un accompagnement social de l'assurance maladie et puis de la mise en place de mesures de remobilisation. La visite de pré-reprise, le docteur Djamila Bossangamad va vous en parler après, elle intervient de préférence dans les 3 mois suivant l'arrêt. La personne, elle va pouvoir bénéficier du diagnostic médical du médecin du travail et de son équipe pluridisciplinaire qui vont pouvoir évaluer ses capacités en adéquation avec le poste occupé, le métier exercé et orienter la reconversion, si besoin, vers un métier adapté à l'état de santé de la personne. Donc, accompagner, c'est le moment où le service social de l'assurance maladie peut intervenir si la personne rencontre des problèmes pour pouvoir des freins sociaux. Et ça, c'est Cécile Sansaigne-Raffin qui va vous détailler quels sont ces freins. Et l'assurance maladie va intervenir, le service social, pour établir un diagnostic complet de la situation sociale de la personne, en relation toujours avec son travail, puisque c'est de ça dont il s'agit, son projet, afin de l'aider à développer son pouvoir d'agir pour construire son retour à l'emploi. Les mesures, elles sont possibles pendant l'arrêt de travail. C'est bien sûr une action d'orientation, dont font partie les bilans de compétences, une formation, un essai encadré, tout cela va vous être expliqué, un contrat de rééducation professionnelle en entreprise. Les mesures qui sont possibles pendant l'arrêt, elles font bien sûr l'objet d'un passage en cellule PDP. Une cellule PDP, c'est une réunion avec tous les acteurs de l'assurance maladie et de leurs partenaires qui étudient le dossier de la personne afin qu'elle puisse bénéficier de cette action de remobilisation pendant son arrêt. Et je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un extrait vidéo d'une vidéo que vous allez retrouver sur le site internet qui s'appelle la PDP, c'est pas sorcier. Bon, vous connaissez tous la série documentaire c'est pas sorcier. Donc là, ça en est largement inspiré pour pouvoir expliquer tous les étages de la pyramide. Et là, on se trouve dans le T2, le maintien dans l'emploi. Et à l'issue de la vidéo, le docteur Bossangamad pourra vous expliquer son retour d'expérience par rapport à la visite de pré-reprise. Le T2 est consacré au maintien dans l'emploi. Les salariés, les travailleurs indépendants, fragilisés par un problème de santé et en arrêt de travail, vont pouvoir garder leur emploi dans la même entreprise. Sabine, tu es partie à la recherche d'un salarié qui a vécu ce problème ? Oui, Jamie, je suis avec David. Bonjour David, vous avez 48 ans, vous êtes ouvrier spécialisé dans une usine à côté de Dijon, et il y a un an, que s'est-il passé ? Je travaille de nuit depuis mon embauche, et sur le chemin du retour, en prenant ma voiture, j'ai fait un malaise au volant. Alors dites-nous David, comment ça s'est passé ? Je suis diabétique de type 2, j'ai perdu connaissance au volant de ma voiture. Je me suis retrouvé dans un champ, j'ai eu beaucoup de chance de ne pas avoir percuté un arbre. Et je me suis vraiment fait peur. Suite à cette grosse frayeur, je suis allé voir mon médecin, qui m'a arrêté, ce qui m'a permis de me reposer. Et je suis allé faire des examens complémentaires. C'est donc pendant votre arrêt qu'un conseiller du service médical de l'assurance maladie vous a appelé ? Oui, le conseiller m'a appelé pour me parler de ma santé et de mon retour au travail. Elle m'a dit de prendre rendez-vous avec la médecine du travail pour une visite de pré-reprise. Le médecin du travail a recommandé à mon employeur que je reprenne mon poste, mais en journée. Aujourd'hui, je vais travailler à l'heure à laquelle je finissais ma journée auparavant. Et aujourd'hui, je peux aller travailler sans risque pour ma santé. Une affaire rendement menée. Le maintien dans l'emploi a marché. Avec ses nouveaux horaires, David a retrouvé l'énergie pour faire du sport et surveiller son alimentation. Emploi et santé, tout est lié. Voilà, bonjour. Ça représente, ça illustre un peu ce qui peut se passer effectivement dans la vraie vie.
Alors, par rapport à la visite de pré-reprise, en fait, moi, j'ai toujours trouvé, enfin, j'étais médecin généraliste auparavant pendant 6 ans et je me suis reconvertie en médecine du travail. Et quand je suis arrivée, j'ai dû apprendre toutes les visites réglementaires parce que le médecin du travail, en fait, il est sous l'égide de 2 codes réglementaires, le code de la santé publique comme tous les médecins et le code du travail. Donc, parfois, on est obligé de mettre les gens dans des cases précises pour pouvoir les voir. Pendant l'arrêt maladie, il n'y a qu'une seule visite possible, c'est la visite de pré-reprise. Alors, on l'appelle pré-reprise. J'ai toujours trouvé que c'était un petit peu, ça veut dire pour moi pré-reprise juste avant la reprise. En fait, oui, c'est pour préparer en fait la reprise, mais en fait, elle peut se faire à tout moment et autant de fois qu'on veut. Voilà, si on avait le temps, ce serait sensationnel. Mais voilà, autant de fois qu'on veut entre le moment où la personne se met en arrêt et la personne va reprendre le travail. Donc, en fait, elle peut survenir quand il juge qu'il en a besoin, mais il faut déjà qu'il la connaisse et il faut que les intervenants la connaissent. Alors, Madame Esposito parlait des 3 mois suivant l'arrêt. Effectivement, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau réglementaire, on doit les voir pendant l'arrêt, sauf que les 3 mois, à partir de 3 mois, cette visite devient obligatoire. Sauf que, comme on est en arrêt, il y a une suspension du contrat de travail. Donc, elle est obligatoire à faire et donc survenir, mais l'employeur n'a pas le droit de la demander. Donc, du coup, ça, c'est un petit peu le truc dans la loi. Il y a parfois des bidouilles comme ça au niveau de la loi. Ce qu'il faut, c'est surtout savoir et nous les orienter. C'est vrai que la visite de pré-reprise, retenez qu'on peut la faire quand il y a un arrêt, quand on veut et autant de fois qu'on veut. Et ça, il faut qu'il le sache parce que plutôt on verra le salarié, plutôt on pourra mettre en place des choses par rapport à son retour à l'emploi. Mais surtout parce que ce qu'il faut aussi évaluer, on a une personne devant nous, hein, une personne humaine, donc elle a souvent peur. Voir le médecin du travail, c'est encore trop de fois associé à mettre en inaptitude. J'ai un problème de santé, j'ai peur, on va me mettre en inaptitude. Alors que non, une de nos missions principales, c'est le maintien en emploi. Donc, effectivement, soit dans l'emploi et le plus possible dans l'emploi, dans l'entreprise, mais quand ce n'est pas possible, ce sera en dehors. Si on pouvait toujours mettre dans l'emploi, dans l'entreprise, on le ferait. Le médecin du travail, c'est celui qui a la connaissance du salarié avec ses problèmes de santé et de l'entreprise avec la connaissance de l'entreprise, du quotidien de l'entreprise, de l'économie de l'entreprise, de tout ce qui touche à l'entreprise. En fait, dans le maintien, je crois que c'est une des seules personnes à avoir ces 2 visions, puisqu'il a la connaissance aussi médicale. Donc, la personne peut nous remonter quelque chose de médical. Et en fait, voilà, ça, on peut savoir quelles vont être les conséquences ou si ça n'a pas de conséquences et qu'on veut vous faire penser qu'il va y en avoir. Il peut y avoir un peu de tout ça. Donc, du coup, on peut savoir et on ne peut rien faire sans le salarié et sans l'employeur. Donc, cette visite nous permet de voir plusieurs choses. Où en est le salarié par rapport à son traitement ? Parce que si survenir, il faut l'accompagner au jugement. Donc, il peut arriver en ayant peur pour l'inaptitude, mais il ne se voit pas du tout encore se reconvertir. Donc, il y a toute une démarche, on va dire, psychologique, entre guillemets, pour l'accompagner. Est-ce que vous êtes sûr que dans 5 ans, vous allez toujours faire le même travail? Est-ce que vous ne pensez pas que ce problème va avoir des conséquences sur votre santé? En général, ils sont toujours sur la défensive, en train de dire non, 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 mais petit à petit, voilà. Après, ils réfléchissent et quand on les revoit, c'est pour ça que c'est bien aussi de les revoir, elle est vraiment essentielle cette visite, on peut aboutir à quelque chose. Donc, elle nous permet aussi de voir la motivation du salarié. Alors, ils peuvent être très démotivés parce que justement, il y a un arrêt long et voilà, ils ont perdu tout espoir. Et là, en dernier recours, on leur a dit de venir voir le médecin du travail. Donc, ils sont persuadés qu'ils vont être en inaptitude. Donc, ils viennent pour se faire couper la tête. En fait, ils baissent. Vraiment, on les voit arriver la tête baissée. Et en fait, il faut leur faire lever la tête pour leur montrer des portes avec éventuellement de l'espoir au bout derrière ces portes. Mais encore faut-il qu'ils puissent ouvrir les portes. Donc, en fait, il faut pouvoir les accompagner dans ça. Voilà. Donc, à ce moment-là, effectivement, plus que faire le diagnostic médical, puisque nous sommes des médecins de prévention, pas des médecins de soins,
En général, d'autres personnes ont fait le diagnostic, donc ils nous apportent des éléments avec des diagnostics, avec ce souci médical et la connaissance de l'entreprise, ben, on peut commencer à voir si on pourra le remettre dans l'entreprise ou non. Ou en tout cas, si on peut aller discuter avec l'employeur sans parler forcément du salarié, pour savoir s'il y a des nouveaux postes ou on arrive à faire une adéquation en fait entre les deux. Et bien sûr, plus tôt on les verra, plus tôt on pourra anticiper. On a encore des personnes qu'on voit arriver le jour de la visite de reprise, donc dans les 8 jours après un arrêt de 30 jours, la visite de reprise doit se faire dans les 8 jours de la reprise. Mais là, on ne peut rien faire. En général, quand j'ai vu les gens en visite de pré-reprise, en visite de reprise, je note juste, ça se passe très vite. En fait, pour moi, c'est une visite réglementaire, c'est-à-dire que ça se passe très vite puisque tout a été, calculé, on va dire, avant et anticipé avant. Je pense, excusez-moi d'être un peu longue, mais voilà. Donc, la visite de pré-reprise, super important à penser. Ce qu'il faut retenir, c'est arrêt égale visite de pré-reprise autant de fois qu'on veut. Voilà. C'était très clair. Merci beaucoup. On va passer à la slide suivante. Donc, l'accompagnement du service social qui vient quand la personne en a besoin en complément de l'action du service de santé au travail, que ce soit le médecin du travail ou son équipe pluridisciplinaire. L'accompagnement du service social a pour but de remobiliser les assurés fragiles. C'était, si on peut avoir la slide d'avant avec l'extrait vidéo du T3, voilà notre boulanger. Donc, encore un autre extrait du film « La PDP, c'est pas sorcier ». Le film en tant que tel, il dure 10 minutes. C'est vraiment un film à vocation pédagogique. Là, on est sur un extrait où on va vous montrer l'accompagnement du service social de l'assurance maladie quand c'est nécessaire. Et puis, Cécile Sansagne-Raffin, assistante sociale, coordinatrice technique, qui est référente PDP, vous détaillera les mesures. Parfois, la maladie, l'accident empêche la personne de retrouver son poste. Elle doit alors changer de métier et parfois même d'entreprise. C'est ce qu'on appelle le maintien en emploi. Le T3 de la pyramide. Retrouver le chemin de l'emploi peut être aussi compliqué que de sortir d'une pyramide. Sabine, il nous faudrait un guide. Jamy, pas de panique, je suis en compagnie de Nadège, assistante de service social à la CARSA de Bourgogne-Franche-Comté. Repérer les personnes fragilisées dans leur retour à l'emploi, les orienter, les remobiliser, c'est son cœur de métier. Nadège, quelles sont les dernières situations que vous avez accompagnées? Comment vous travaillez? Avec qui? On veut tout savoir. Alors effectivement, Sabine, je peux vous parler de Marius, qui est un boulanger de métier que j'ai accompagné durant son arrêt de travail. Il m'avait été orienté par le service médical de l'assurance maladie parce qu'il était allergique à la farine. Donc toute sa carrière et même toute sa vie, me disait-il, était remise en question. Donc mon travail a été de l'amener à accepter qu'il ne puisse plus faire son travail d'origine. Et durant tout l'arrêt, à l'accompagner dans ses démarches de reconversion professionnelle pour travailler un projet adapté à son état de santé. Progressivement, Marius s'est projeté dans un nouveau métier au sein de la même entreprise. Donc avec l'aide de son employeur, le médecin du travail et avec la validation du médecin conseil, on a pu mettre en place un essai encadré durant 14 jours dans son entreprise pour tester de nouveaux postes. Ne pouvant plus être en contact avec le fournil et à la manipulation de la farine, il accueille désormais les clients, les habitués du quartier, et il s'occupe certains jours de la livraison du pain avec son triporteur. Donc ravi de participer aussi à l'écologie. Nadège, pour conclure, quelle est la dernière situation que vous avez accompagnée?
Alors la dernière situation que j'ai accompagnée est celle de Géraldine, qui est une fleuriste indépendante, qui était en arrêt de travail suite à des troubles musculo-squelettiques, qui étaient situés au niveau du bras et de la main. Alors Géraldine ne pouvait plus couper les fleurs avec le sécateur, ni charger et décharger les bouquets des étals. Elle a dû se résoudre à fermer son commerce, et donc je l'ai accompagnée durant son arrêt de travail à travailler sur un autre projet professionnel en collaboration avec l'URSSAF. Aujourd'hui, Géraldine, elle est salariée dans un magasin de thé, un endroit où il y a moins de manipulations répétitives et moins de port de charge. Elle reste en contact avec les clients, donc c'est ce qu'elle souhaitait, tout en travaillant dans un univers parfumé, ce qu'elle aimait. Donc c'est vrai que quand arrive un problème de santé qui remet en question leur activité professionnelle, les indépendants pensent que tout est fichu. Or, ce n'est pas le cas. Il existe aussi des solutions pour eux qu'on peut mettre en place durant l'arrêt de travail en collaboration avec le médecin traitant, les Cap Emploi et la GFIP. Alors, comme nous avons pu l'observer... Pardon. Vas-y, Cécile. Donc, comme nous avons pu l'observer dans la vidéo, lorsqu'une personne est confrontée à une problématique de santé, cela peut avoir pour elle des répercussions au niveau professionnel. Mais pas uniquement. En effet, la problématique de santé peut re-questionner l'ensemble des identités construites par la personne. Identité physique, psychologique, identité familiale, c'est-à-dire sa place dans la famille, avec ses enfants, son conjoint, ses identités sociales, c'est-à-dire la place qu'elle a dans la société, ses liens avec son réseau social, amical. Ça peut aussi avoir des répercussions, malheureusement, au niveau financier, parce que parfois, en situation d'arrêt de travail, une personne peut être confrontée à des pertes de revenus. Pendant l'arrêt de travail, la personne est dans une étape de vie où elle subit. On ne choisit pas la maladie, on ne choisit pas les soins. La personne peut faire face à de nombreux questionnements et elle se trouve parfois dans l'incapacité de se projeter. Le rôle du service social de l'assurance maladie est de lui permettre de développer son pouvoir d'agir, c'est-à-dire de passer du subir à l'agir. À cette fin, le service social de l'assurance maladie va proposer aux assurés un accompagnement social qui peut prendre la forme d'un accompagnement individuel et ou collectif. Pour illustrer, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc, cet accompagnement débute toujours par une étape de diagnostic. La personne va pouvoir exprimer son vécu, ses questionnements, ses besoins, les conséquences de sa problématique de santé au niveau personnel, social, familial, professionnel et financier. Elle va pouvoir aussi nommer ses atouts, les freins qu'elle rencontre. Avec l'assistante de service social, elles vont ensuite définir un projet contractualisé. Ce projet va mettre en exergue les objectifs et les moyens à mettre en œuvre. Ils seront contractualisés à partir de ce qu'on appelle, nous, une feuille de route, où l'assistante de service social et la personne vont nommer ce que chacun met en œuvre pour atteindre les objectifs visés. Et tout au long de l'accompagnement, ils vont être ajustés, enrichis, en fonction de ce que la personne rencontre. Et ce qui est très, très important dans l'accompagnement proposé par le service social, c'est de permettre à la personne d'entrer dans une nouvelle dynamique avec le soutien de l'ensemble
des acteurs du champ de la PDP pour créer une synergie et définir un projet partagé. Donc, l'ensemble des acteurs du champ de la PDP, hein, c'est bien évidemment les services de santé au travail, le médecin traitant, les acteurs du champ du handicap, les MDPH, Cap Emploi, toute la GFIP, hein, vraiment tous ceux qui permettront à la personne de mener à bien son projet. Voilà. Muriel, je te laisse la parole. Merci Cécile. Oui, je vous entends. On a un petit temps de décalage. J'espère que vous m'entendez bien. Pour compléter ce que vient de dire Cécile, je voulais vous donner un peu le profil des assurés qui sont accompagnés dans cette démarche de PDP par le service social de l'assurance maladie. En Bourgogne-Franche-Comté, ce sont des chiffres 2020. Les personnes sont majoritairement âgées, entre 46 et 59 ans. On a 57% de femmes et 43% d'hommes, avec un fort taux d'arrêt maladie, hein, et puis un taux d'accident du travail qui est un peu plus important pour les hommes. Pour les femmes, on a 17% d'accident du travail, pour les hommes 29, c'est le diagramme du dessus. Et pour les femmes, on a 66% d'arrêt maladie, pour les hommes à 58. Majoritairement, ce sont des couples avec ou sans enfants. Donc là, ça rejoint ce que vous expliquez, Cécile, sur l'importance d'un accompagnement global, d'un diagnostic global de la situation de la personne. L'accompagnement par un assistant de service social va durer en moyenne 8 mois. Et en 2020, le service social de l'assurance maladie a accompagné 8 350 environ assurés dans cette démarche de prévention de la désinsertion professionnelle. Je voulais vous présenter un peu plus deux mesures qui sont laissées encadrer. Donc la slide suivante, voilà, laisser encadrer et puis le CRPE à la fin si nous avons le temps. Laisser encadrer, c'est une offre de l'assurance maladie qui va intervenir pendant l'arrêt pour anticiper les conditions de maintien en emploi du salarié, aussi bien adaptation du temps de travail, adaptation de poste pour un retour en emploi durable. Laisser encadrer, donc pendant l'arrêt maladie, une période de 14 jours consécutifs ou non, renouvelable une fois, durant laquelle l'assuré va pouvoir venir tester son retour à l'emploi avec des indemnités journalières qui vont être maintenues et le risque accident du travail maladie professionnelle couvert par l'assurance maladie. Bien sûr, vous pouvez vous rencontrer des personnes qui vont être en arrêt, qui se questionnent sur leur retour à l'emploi. Cette mesure de laisser encadrer, c'est vraiment une action très profitable dans ces cas-là. Et elle va faire appel aussi à toutes les compétences des acteurs du maintien en emploi, puisqu'elle se réalise bien sûr avec l'autorisation de l'assurance maladie, mais aussi avec l'accord de l'entreprise, du médecin traitant et du médecin du travail et de son équipe pluridisciplinaire. Donc, dans la slide suivante, on vous présente les acteurs mobilisés dans cette démarche. Donc, médecin du travail et son équipe, le médecin généraliste qui connaît très bien son patient, la GFIP et Cap Emploi pour la mise en place des financements, des aménagements nécessaires à la suite de l'arrêt pour accompagner la personne en entreprise. Évidemment, l'entreprise, c'est accessible à toutes les entreprises, de la plus petite à la plus grande. Et puis, les acteurs de l'assurance maladie qui vont se concerter pour pouvoir maintenir les indemnités journalières de la personne. Pour le salarié, donc la slide suivante, Caroline, pour le salarié, cet essai encadré va permettre quoi ? Il va permettre de se projeter dans le retour
à l'emploi et de renouer avec l'entreprise. Le docteur Jamila Bossangamat vous l'a dit, souvent les personnes, elles ont peur de ce retour. Elles pensent qu'elles vont être déclarées inaptes. Un essai encadré, ça va permettre de sécuriser le retour à l'emploi parce qu'on va pouvoir anticiper les difficultés de la personne. Elle va pouvoir être acteur des solutions, des aménagements nécessaires. Et puis, parfois, c'est nécessaire pour se confronter à la réalité et à une reconversion dans un autre poste de travail ou à l'élaboration d'un nouveau projet professionnel. Du côté de l'employeur, évidemment, ça permet de renouer avec son salarié, ça permet de préparer le retour à son poste et pas d'être confronté du jour au lendemain au retour de son salarié, et du coup d'anticiper les difficultés, d'étudier avec le médecin du travail, son équipe pluridisciplinaire, Cap Emploi, les aménagements possibles et nécessaires, les solutions à l'intérieur de l'entreprise, et donc d'être accompagné par des spécialistes du retour à l'emploi et du handicap. Dans la slide suivante, vous allez retrouver, je vous ai mis en lien des films, des témoignages de personnes qui ont bénéficié d'un essai encadré. Et je relaisse la parole au docteur Bossangamat qui participe à donner son avis et à orienter les personnes vers un essai encadré. Voilà. C'est un point d'entrée donc pour arriver vers le médecin du travail. La première visite va permettre de découvrir un peu le décor, on va dire. Et ensuite, une fois qu'il est parti, on élabore un petit peu un plan, une stratégie pour pouvoir le remettre en emploi. Donc, souvent, je fais appel s'ils vont être RQTH, je pense qu'ils doivent être RQTH, les orienter pour établir le dossier MDPH avec le Cap Emploi, ou je peux penser, à d'autres outils, ou donc faire intervenir éventuellement l'assistante sociale si j'en ai besoin. L'équipe pluridisciplinaire va intervenir à ce niveau-là par l'intermédiaire de l'infirmière qui peut avoir aussi cette formation entre guillemets maintien en emploi ou l'étude de poste peut être faite par un des membres de l'équipe pluridisciplinaire, mais franchement en maintien en emploi c'est quand même bien que ce soit moi qui aille voir le poste directement pour savoir où ça coince en fait, parce qu'il faut vraiment détailler le poste et savoir où ça coince. Là par exemple je vais vous illustrer ça par un salarié que j'ai eu, qui a eu de nombreux, qui avait déjà des antécédents médicaux très lourds, très jeune hein, aussi, moins de 50 ans, moins de 45, et qui a eu des soucis ensuite avec un accident qui lui est arrivé en plus, un accident de moto, et en fait il avait du mal à maintenir ses bras en l'air tout simplement, sauf que dans son travail il doit intervenir sur des installations avec les bras en l'air. Donc, franchement, il y avait, quand j'ai fait l'étude de poste, la seule chose qui m'est venue à l'esprit qu'on pouvait éventuellement mettre en place, c'était un exosquelette. Sauf que les exosquelettes, c'est pas toujours évident à mettre en place, vu l'encombrement, vu le poids, vu la praticité de l'outil. Et en fait, on a découvert un exosquelette qui se met comme un sac à dos. Et du coup, bon, ce salarié, du fait de tous ses soucis médicaux, était RQTH. Donc, du coup, on a pu, avec le Cap Emploi, démarrer un essai encadré pour lui faire essayer cet appareil pendant, son arrêt maladie. Donc, il était en arrêt maladie. On a mobilisé la personne, qui nous a fourni le matériel pour l'essai.
On a bien entendu pris contact avec l'employeur bien avant, puisqu'on avait pris contact pour faire l'étude de poste auparavant. Et donc, on a établi un lien avec lui pour lui expliquer l'appareil, l'outil et ensuite le mettre en place. En fait, pour l'employeur, souvent, il ne sait pas tous les outils qu'il va y avoir pour maintenir le salarié en emploi. Donc, il a une obligation d'aménager le poste de travail. Et en fait, le médecin du travail va l'aider à aménager, mais donc lui emmener les outils, lui expliquer les outils. Donc là aussi, il y a un accompagnement au changement, on va dire, de l'employeur, puisqu'il faut lui faire intégrer dans sa prise en charge quelque chose qu'il ne connaissait pas auparavant. Hein. Lui, c'est le spécialiste de son entreprise. Et du coup, parfois, voilà, certains, de plus en plus nombreux, nous accompagnent, en fait, et veulent bien essayer. Et du coup, on a essayé pendant une semaine. Donc, il était en binôme. Bien sûr, il était là en arrêt maladie. Donc, s'il y avait eu un accident de travail, le médecin conseille, enfin, un accident pendant ce temps, ce n'est pas un temps de travail, c'était toujours un temps de maladie, en fait. Donc, l'employeur est aussi rassuré de ce fait-là, puisque sinon, il ne savait pas quelles assurances devaient intervenir. Et on lui a fait essayer. Et donc, on avait deux outils, en fait, un qui maintenait les bras en l'air comme ça, et puis un autre, comme il avait la tête, il devait avoir la tête en arrière, le même fournisseur pouvait nous fournir cet appareil-là. Donc, du coup, il a vu que pour le coup, ça ne lui servait à rien, mais par contre, il a bien apprécié l'appareil, et il a vu que au niveau de sa force musculaire, ça lui faisait récupérer de la force musculaire, et du coup, il pouvait faire son travail, alors que sans ça, il n'aurait vraiment pas pu faire son travail. Donc là, on a pu effectivement faire cet essai encadré et le maintenir dans l'emploi. Voilà, donc on peut faire des essais encadrés pour, voilà, la phase de T3, c'est-à-dire qu'on voit qu'avec l'employeur, ce n'est pas possible. On peut, avec les connaissances des entreprises, les demander, en fait, les connaissances des personnes aussi, qui peuvent avoir des amis qui interviennent dans tel ou tel endroit, demander un essai encadré. Et donc, il faut bien connaître cet outil parce que, effectivement, comme vous disiez, Madame Esposito, il peut aussi permettre de se confronter à la réalité, parce que parfois le salarié peut croire qu'il est en capacité de pouvoir faire telle formation et telle profession. Et en fait, nous, on sait que ça coince, mais parfois, on a beau leur dire, il faut qu'ils soient confrontés à la réalité et qu'ils touchent le feu pour savoir que ça brûle. Donc, du coup, parfois, ça peut emmener au fait de, effectivement, changer sa vision de la reconversion. Ce que je voulais vous dire également, c'est que cet outil, voilà, vous pouvez l'utiliser à plusieurs moments. Lui et le CRPE sont très très importants pour. C'est vraiment des outils à connaître, même si vous ne connaissez que les noms. Après, vous pouvez toujours aller chercher plus loin. Cet essai encadré, ça fait un petit moment qu'il existe. Il était à 3 jours, il est passé à 8 jours et maintenant il est à 15 jours, tellement il est bénéfique. Mais parfois, on n'a pas besoin, quand on voit que ça ne va pas aller, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à ces 14 jours. Donc, voilà, quand on est confronté à un problème, voilà, pendant la formation, enfin pendant l'essai. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour. C'était très clair. Et du coup, on a une petite question sur quel est le fournisseur qui propose des exosquelettes ? Alors, il y a. Nous, on est passé. Bon, je ne suis pas là pour faire de la pub, hein, mais on est passé par Ergo Santé. Alors, les exosquelettes, il y a plusieurs fournisseurs qui peuvent en fournir. Mais pour ce salarié en particulier, on est passé par Ergo Santé. Enfin, je ne ferai pas de la pub, mais voilà, merci, vous allez voir, il y a plein de dispositifs. Le docteur a commencé à vous parler du CRPE et donc on va passer rapidement parce que je vois que l'heure tourne
sur le CRPE. J'aurai l'occasion sûrement de remettre des choses à jour sur le site internet Espace Information Maintien en Emploi, puisque en fait ce contrat de rééducation professionnelle en entreprise va faire l'objet de réformes, d'assouplissements dans les mois à venir pour être étendu aux salariés en risque d'inaptitude. Le CRPE, c'est quoi? C'est un contrat destiné aux travailleurs en situation de handicap pour sécuriser leur maintien en emploi. Donc, c'est vraiment une mesure qui est destinée spécifiquement aux travailleurs en situation de handicap, qui va lui permettre de se réadapter très progressivement en sécurité à son ancienne profession, ou qui va lui permettre d'acquérir un nouveau métier au sein de son entreprise d'origine ou d'une autre entreprise. Donc, prendre le temps, travailler en sécurité, bénéficier d'aménagements, c'est un contrat qui va lier le salarié, son entreprise, dans une entreprise d'origine ou entreprise d'accueil, et qui va lier aussi l'assurance maladie, qui va prendre en charge une partie de la rémunération de cette personne. Donc, à temps de travail égal, il ne va pas y avoir de perte de salaire. Et je vois la question, donc est-ce qu'il faut la qualité, il faut un dépôt auprès de la MDPH pour pouvoir être éligible au CRPE. Et puis, tout ça va changer dans les mois à venir, donc on aura l'occasion de venir vous réexpliquer. Donc on dit reconnu TH ou en voie de l'être, hein, qui ne peuvent plus reprendre leur poste de travail. Pour tout connaître sur le CRPE, dans le PowerPoint, et là on va pas la passer maintenant, il y a une vidéo qui a été faite par la CEPAM de Côte d'Or sur le CRPE. C'est un témoignage du salarié qui en a bénéficié, que je vous ai mis à droite de l'écran. Le CRPE, c'est une bouffée d'air parce que ça permet de donner du temps aux salariés, mais aussi à l'entreprise, et puis de bénéficier donc de ce coup de pouce financier de l'assurance maladie qui prend en charge toute une partie du salaire de la personne. Et oui, on peut effectuer un CRPE dans une entreprise différente que celle de l'entreprise d'origine. Et pour ça, il y a vraiment un accompagnement de nos partenaires de Cap Emploi. Vous avez compris, dans la démarche de maintien en emploi, de prévention de la désinsertion professionnelle, il y a des outils et il y a des acteurs. Et la coordination de ces acteurs, elle est très importante. L'assurance maladie est en train de tester dans le département du Jura. Donc, s'il y a des conseillers du département du Jura, vous allez être prochainement informés. Une expérimentation qui s'appelle la plateforme PDP. C'est donc une plateforme qui regroupe l'avis médical, l'avis des assistants de service social, l'avis des professionnels aussi de l'accompagnement, l'avis du médecin traitant. Tous ces acteurs, ils vont se coordonner pour pouvoir sécuriser de bout en bout le parcours des assurés. Donc, quand un assuré touche des indemnités journalières, est en arrêt depuis longtemps, c'est signalé au service médical, qui le signale au service social. Donc là, on est dans le pôle assurance maladie, donc déjà une coordination en interne pour pouvoir repérer les personnes qui seront en risque de désinsertion professionnelle et se mettre tout de suite en relation avec les services de santé au travail pour cette visite de pré-reprise, aussi pour leur regard avec leur équipe pluridisciplinaire sur la situation de cette personne, se informer le médecin traitant que son patient va rentrer dans un dispositif d'accompagnement du retour à l'emploi, mettre aussi dans la boucle les partenaires de l'emploi, de la formation professionnelle, donc les Cap Emploi, l'ADAPT, et puis aussi vous, partenaires de la formation, et suivre de bout en bout en se coordonnant
toutes les étapes du parcours. Et pour cela, il va y avoir un livret dans le Jura qui va être remis là aux assurés qui vont être suivis dans cette plateforme qui s'appelle mon plan d'action personnalisé, carnet de santé au travail. Vous allez voir ce petit document peut-être circuler et il appartient à la personne et c'est elle qui va aller de partenaire en partenaire tout en étant sécurisée à chaque étape avec son livret et vous allez avoir des indications aussi de où en est la personne dans son retour à l'emploi. Voilà, donc une expérimentation prometteuse qui commence très prochainement dans le Jura. Et ça nous laisse un peu de temps pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie. Je sens qu'il n'y a pas de questions parce qu'en fait, mesdames, toutes les trois, vous avez été extrêmement limpides et claires. Je pense que notre auditoire sera d'accord avec moi. C'était très intéressant et très clair, tout simplement. Donc, peut-être quelques minutes, si vous avez des questions ou pas. Il y a des petits émoticons, si vous voulez, mettez un pouce si vous n'avez pas de questions. Et du coup, cette expérimentation Jura, elle est vouée à être développée un peu et étendue sur l'ensemble des territoires, un peu posteriori? Oui, Caroline, elle va être étendue en 2022-2023 à d'autres départements et à terme, ça sera tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté et même de France qui seront concernés par cette nouvelle façon de travailler en matière de prévention de la désinsertion professionnelle, donc en s'articulant avec les services de santé au travail, pour pouvoir vraiment bénéficier de cette approche pluridisciplinaire. D'accord, merci. Quelle est la porte d'entrée pour activer les dispositifs? Alors, il n'y a pas une porte d'entrée, vous en êtes une de porte d'entrée. Et puis, le service de santé au travail en est une autre. Le service social en est une aussi. Pour joindre le service social, 36 46, et vous dites tout simplement service social. Et depuis peu, il y a une reconnaissance vocale qui va vous mettre en relation avec le service social de la CARSA. 36 46, dites service social. Merci, Madame Hansen. Donc, je sens vraiment, moi, j'ai trouvé ça très intéressant et vraiment très limpide. Je vous remercie, mesdames. Merci, Caroline. Madame Esposito et docteur Bossangamad pour vraiment ces explications très claires et les réponses à vos questions. Et je vous souhaite à toutes et tous une très belle fin de journée et vous retrouverez bientôt le replay sur le site, la chaîne YouTube d'Enfor. Voilà. Merci beaucoup et au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir. Hein.